Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kalbel et Jade, en pleine forme. Totalement. Pour cette première vidéo de l'année, tournée le premier jour de l'année. On trouvait important de le dire quand même. Ouais. Faire un tournage un 1er janvier, c'est plutôt sympa. Ça joue sur notre état. Surtout sur le sien. On se retrouve pour une woodbox du mois de janvier 2019. Donc vous l'aurez compris, c'est le premier épisode de What in the Box de l'année 2019. C'est parti! Donc vous connaissez le principe, vous le connaissez bien. On pioche chacune notre tour à l'aveugle dedans et on devine ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai absolument aucune idée du thème, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire on connaît pas le thème. On est trop pareil, on pense trop la même chose. C'est une nouvelle année mais c'est toujours le même duo de bras cassés. Allez, on change pas les bonnes habitudes, non. Jade, tu commences. C'est Bibi qui commence. Un t-shirt. Ah bah Jade maintenant elle fait les t-shirts. C'est le premier truc qui m'est venu. Oh il est trop bien. Pourquoi on l'a pas eu à Noël? Ça fait très Noël. Ouais j'avoue. Ouf. 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 T-shirt nouvelle Noël Overwatch. De type festif, je dirais. On reconnaît le logo. Ah bah là pour sûr on reconnaît et les couleurs. Un petit t-shirt Blizzard Entertainment avec la neige qui tombe sur le château. Moi j'adore les t-shirts de Noël. Yes. C'est juste que dommage que c'était la semaine dernière. On approuve ou on approuve pas? On approuve. On approuve, on met un pouce bleu comme vous sur cette vidéo si vous avez aimé. À toi. Oh, deuxième objet. Je prends un petit truc qui s'avère être... Je crois que c'est des thèmes de jeux vidéo, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Aucune idée. Franchement, là, j'ai zéro idée qui me vient en tête. Des cartes. On dirait. Bah écoutez, on va ouvrir de suite. Ah, c'est les trucs que tu mets sur les uniformes. Ah. Et oui, c'est un. C'est un. Self patch crate de PUBG. Et c'est une bouteille. Tu sais, tu lances, ça explose. Je sais plus le nom. Une grenade? Ouais. Et là, c'est pour l'accrocher. D'accord. C'est en... Tu vois? Ah oui, d'accord, c'est en scratch, quoi. C'est en scratch. C'est la première fois qu'ils font ça, qu'on sache. Ouais. Putain, faut pas défaire le scratch. Non. On est partout, là. Bon, bah, ça commence encore bien. C'est la deuxième boot box qui est plutôt pas mal quand on l'ouvre directement. Troisième objet. Je vais prendre ça. C'est-à-dire... Pas la figurine. Oh. Je crois que c'est un truc qu'on n'a jamais eu encore. Pas mal. Mais tu veux essayer de deviner parce que moi j'ai essayé mais je pouvais pas deviner que c'était ça, tu vois. Bon. C'est dans une boîte carrée. Rectangulaire. Ça m'a l'air dur. Oui. Une petite figurine. Même deux. Deux petites figurines. Ouais. Oh, c'est grave mignon. Ouais. C'est une Pokis. Lord of Ring, donc on a, je vais dire encore des conneries, ah non c'est bon, Gandalf et Legolas. Quoi? J'arrive pas à le dire, Legolas. C'est des figurines de type mignonne, comme on dit le logo du bidule et du machin. Parfait. C'est un woodbox exclusif, c'est pour les 3 ans et plus, c'est bon. On est même Puppy peut le faire. Il a quel âge en chat? J'ai eu en 2012. 2012, 14. Oui, 14, il a 4 ans. 4 x 7. 28. Je crois. Parfait. Je valide. Tiens, tu veux toucher? C'est original. Ah oui. C'est un peu en plastique mou. Mou, mou. Une gomme. Ça ressemble à de la gomme. Tu trouves? C'est les trucs d'Harry Potter, c'est ça? Non. Bah, Gandalf. Je connais pas. Le Seigneur des Anneaux. Ah, mais je connais pas. C'est écrit. Lord of the Ring. I don't speak English. Ah, je sais plus le combien d'objets c'est. 1, 2, 4. Mais putain, quoi c'est? C'est massif. J'aurais peut-être pas. Oh, tu vas kiffer. Ah ouais? Je sais pas. C'est une figurine. C'est Seven.
Eleven. C'est un truc de Stranger Things. Adult Collectible Not a Toy. Donc c'est un jouet à collectionner qui est pour les adultes. Ça a été fait par un artiste. Can you open the box? The box, please. Bientôt on va se lancer à l'international. Yes. Ah, c'est fait avec Loot Crate. Loot Crate, ils font aussi des box. Ah bon? Ouais. Ah, c'est toute une scène en fait. Et regardez-moi ça si ça c'est pas joli. Cette image est trop belle. Tellement. Tu prends Eleven? Elle a pas de pied. Ah oui. Elle a le nez qui coule. Oh, mais c'est trop bien. C'est génial. Elle saigne. Oh, tu m'entends? Non, pas vraiment. Voilà. C'est pour ses pieds. Oui, il y a deux trous. Est-ce qu'on est bon au bricolage? Oui. C'est magnifique, j'adore. Je crois qu'il faut regarder sous une bonne perspective. C'est super bien. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment super cool. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Non, c'est une box, elle est trop bien. C'est la deuxième box qui est plutôt bien. Ouais. Plutôt trop bien en fait. Ouais. Mais même juste la boîte, ça donne envie de la garder. Ouais, garde la boîte, franchement. Juste le devant. Bah, ça va être difficile de garder juste le devant, mais je vais garder la boîte. C'est une poêle. Oui, ça, on est d'accord que c'est une poêle. Oui. Mais ça vient d'où? Je ne peux pas vous dire ça. Jade, cette année, est-ce qu'on ferait pas un petit jingle pour ton retournage de boxe? Allez. Jingle. On l'a dit en même temps. Il faut maintenant que je trouve un jingle à faire. Vous l'aurez compris, c'est donc la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le retournage de boxe de Jade et pour moi, le loto des familles. C'est parti, chacun son rôle, on y va. Alors, janvier 2019, je me dépêche de trouver la page. Ah, ok, easy. Oh, on aurait pu avoir ça. Ouais, mais... Non. Ouais, non. On a eu alors deux mini-figurines The Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas la taille qui compte, mais le nombre. Ne négligez pas leur capacité à repousser le mal. L'alliance des races face à Sauron et la clé de la victoire. Donc d'une valeur de 12 euros, les deux figurines. Après, nous avons eu un magnifique, magnifique, magnifique figurine Stranger Things. Ah. D'une valeur de 15 euros. Bon. Non, c'est bon. Merci, Charles. Après, nous avons eu les clips PUBG, patch PUBG officiel. Quadrillez le terrain avec votre escouade pour éliminer tous vos adversaires et placez-vous en hauteur pour avoir une vue globale. Hein. Seuls les meilleurs tacticiens réussiront à remporter la partie. Le patch sera votre point de ralliement. Ah, ok, donc ça fait partie des teams. D'une valeur de 5 euros. Attention, vous... Attends. Ah. 5 secondes. 5 secondes. C'est bon. Ah. Et un t-shirt Overwatch officiel. Vous aurez toujours besoin d'un sigle de team pour montrer votre appartenance. Quoi de mieux qu'un t-shirt, l'esprit d'équipe et la clé pour obtenir les meilleurs résultats. Alors affichez-le et devenez les... Une valeur de 20 euros. J'ai l'impression que le mois prochain va être encore mieux. Bravo Jade, on applaudit. Elle a retourné la box. Un chat. Mais ça m'a l'air d'être Totoro, ce genre de truc. Totoro. Enfin ça c'est Totoro, clairement. Vie. Totoro, j'aime trop. Genre c'est ta vie. J'aime trop, mais j'ai un dessin de Totoro dans ma chambre. Ouh. Super. Une poêle pour faire la cuisine? Non, une poêle pour... Ah oui, là on est passé au badge. Une poêle pour arrêter les balles, retrouver l'équipement le plus efficace en combat rapproché et le plus... Un cas de fuite de 4 euros. Mais alors, je sais, j'ai oublié le nom du jeu en fait. Et le mois prochain, apparemment, ça va être Totoro, tout l'univers de... Comment il s'appelle? Les studios Ghibli. Mmh, c'est ça. Yes. À mon avis, hein. Parce qu'il y a pour le mois de février, ça c'est bien ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Si c'est aussi bien que les bootbox d'ici, GG. Bravo. Voilà. J'adore. Surtout ça. J'aime beaucoup la série, donc du coup j'aime beaucoup. Et c'est trop bien fait. Ah ouais, t'as regardé la série? Bah ouais. Je sais pas comment tu regardes même. Je suis en pleine saison 2. Ah oui, t'es en pleine saison 2. C'est ce que je disais. Ouais, j'attendais un peu de savoir quand est-ce que la saison 3 arrivait. J'aime pas attendre. Ah, il y a écrit Team, Jade. T'avais lu quoi là? T'es en... Ouais, c'est Team, ça veut dire équipe. Le thème, c'est équipe. Pourquoi c'est écrit si chelou, si bizarre? Bah parce que c'est écrit comme pour le Seigneur des Anneaux. Ah. Ouais, et pourquoi il y a un accent sur le A?
Je sais pas moi, t'as vu cette écriture? Ok, d'accord. Ok, ouais, parce qu'ils doivent être plusieurs pour tuer le démon d'un âne. Ils doivent être plusieurs pour gagner la partie de Overwatch et PUBG. Bah, pareil, pour c'est un travail d'équipe, le Seigneur des Anneaux. Et bah, je crois qu'on a tout fait là. Bah franchement, cool. Cool, 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 cool. Comme d'habitude, nous espérons que ce petit épisode vous aura plu. Nous, ça nous fait toujours plaisir de déballer et de reballer la boîte avec vous. Mais oui. Pourquoi? Mais oui, comme bah si oui. Je disais de la merde. Ah non, mais c'est pas un mytho, c'est vrai. C'est bien ce qu'on a. C'est de plus en plus bien. Jade, elle veut de plus en plus garder les trucs. Ouais. Mais maintenant, il est temps pour nous de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt. Très bientôt pour de nouvelles vidéos. Eh, c'était presque ça. J'ai oublié un truc. Mais c'est pas grave, c'était très bien. D'habitude, tu connais pas le mot de la fin. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, sur le... qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.